Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai reçu un gros cadeau. Mais que peut-il bien y avoir dans ce colis mystérieux? Non, je déconne, je le sais déjà, je l'ai déjà ouvert, ok, j'ai pas pu m'en empêcher. Ce matin, j'ai vu le livreur arriver, j'ai fait, mais j'ai rien commandé, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis jeté dessus pour l'ouvrir direct. Cher Jolat, vous nous avez fait beaucoup de peine, voire pitié dans votre dernière vidéo où vous montrez votre pack Skylander acheté en promotion chez nous à 12€. Vous avez fait vraiment tous pleurer dans les bureaux, c'est pour ça que nous vous envoyons la toute nouvelle collection des Skylander Imaginator, signée Activision. Et bah ça, ça fait super plaisir franchement. Quoi? Ils ont vraiment marqué ça sur le papier? Rigolez pas, la dernière fois pour le trophée YouTube, il y a des gens qui m'ont vraiment marqué ça dans les commentaires. Oh là là, comme dirait Nabila. Non mais allô quoi. Pour une fois que je suis d'accord avec elle. Bon alors comme vous l'avez compris, franchement, j'ai reçu un putain de cadeau de la part d'Activision. Ça fait super plaisir. Ils m'ont envoyé carrément... toute une collection des Skylander Imaginator, les derniers Skylander sortis. Ça fait super plaisir, franchement, je m'y attendais pas du tout. La dernière fois, c'est vrai que dans une vidéo, j'avais montré le petit pack à Skylander que j'avais acheté à Noz, il était en promotion, je l'avais acheté 12€, franchement, il était pas très cher. Et suite à ça, je pense que j'ai dû leur faire un petit peu de la peine. Donc franchement, ça me fait super plaisir. Activision, vraiment un gros merci à vous, ça me fait super plaisir. Alors je tiens tout de même à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je gagne pas d'argent pour ouvrir la boîte des Skylander. En même temps, rien que dans la boîte, il y en a pour des ronds, vite fait. Donc voilà, c'est pas sponsorisé du tout. Ils m'ont dit Jolat, c'est cadeau, joyeux Noël en avance. Et bah j'ai dit ça fait bien plaisir. Donc on va ouvrir tout ça et comme d'hab pour les unboxings, je vous ferai un super plan de la mort qui tue juste ici à côté. Ça va déchirer. On va commencer par ce paquet. Franchement, ça déchire. Donc ça, à mon avis, ça doit être la boîte du jeu, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Franchement, ça me fait super plaisir parce que vraiment, j'adore les Skylander. C'est vraiment cool. En fait, je m'y suis mis quand j'ai vu le paquet en promotion à Noz. Donc c'est super cool. Le jeu Skylander sur PS4, donc ça, ça fait super plaisir. Imaginator, bah c'est le dernier, hein. Franchement, ça me fait super plaisir. Encore une fois, un gros merci à Activision, quoi. On va déballer ce qu'il y a dans la boîte. Oh, putain, mon vieux. Regardez, c'est fait comme ça, là. Voilà, de toute façon, je vais les sortir. Je vais faire un plan pour chaque figurine et tout, ça va être super cool. Je vais vous montrer tout ça. Et ben, pour commencer, on a Master Kingpin. Franchement, il déchire. Elles sont trop belles les figurines, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous savez, mais celui qui fait la voix de Master Kingpin dans les Skylander Imaginator, c'est Maître Gims. Eh ouais, petit point culture du jour. Ouais ouais, en tout cas, il déchire Master Kingpin. On a... c'est quoi ça? C'est un sablier. Alors je sais pas s'il y a des gens qui jouent à Skylander parmi vous. C'est un sablier, ça c'est le nouveau truc pour Imaginator, je crois que ça y était pas dans Trap Team. Je sais pas à quoi il sert ce sablier. Pour l'instant je sais pas à quoi il sert, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent à quoi ça sert. Et vous allez me le dire dans les commentaires. On va le mettre juste à côté de Master Kingpin, voilà. Nous avons Golden Queen, franchement elle est super belle, c'est un truc de fou. Elle est trop bien faite. Golden Queen qu'on va poser juste ici. Ah bah attendez, c'est qu'on a des trucs derrière mon vieux. J'avais pas vu, je l'ai pas précisé mais c'est sur PS4 hein, tout ça. Voilà, bah de toute façon, Skylander, je crois qu'il est sur toutes les consoles, il me semble. PS4, Xbox One, Wii U, si je ne raconte pas de conneries. Je me demande si c'est pas sur DS aussi. Je crois pas, je sais plus. En tout cas, ça déchire, c'est super bien fait. C'est vraiment super beau, ça doit s'allumer à mon avis sur les côtés et tout, je pense. Ouais. Écoutez, on va le mettre ici. D'accord, bon, celle-là, la boîte, elle est vide. Suivant, on a ici une nouvelle boîte. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... d'accord. C'est des sabliers. Ok. Magic Création Cristal. C'est des cristals. Magic Création Cristal, Tech Création Cristal et l'Undead Création Cristal. Regardez, ça déchire. Franchement, c'est super sympa. On va prendre une autre boîte et franchement... oh, par contre, ça, ça déchire. Parce que ça, alors, je sais pas si vous savez, mais avec les Skylander, à chaque fois, faut acheter des bonhommes pour avoir des aventures additionnelles et tout. Et là, ils m'ont carrément pas envoyé quoi? Le pack Crash Bandicoot Aventure, ça déchire, ça tue quoi. Regardez comment ils sont faits et tout, c'est Crash Bandicoot avec le docteur Neocortex, franchement il déchire. Le docteur Neocortex, je crois que c'était le méchant dans Crash Bandicoot. Je kiffais à l'époque, je jouais à ça moi sur PlayStation 1, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est super vieux, c'était l'un de mes jeux préférés Crash Bandicoot. Et ben ils nous ont ressorti l'édition sur Skylander et je pense que à mon avis...
Il y a de grandes chances que je vous le fasse en vidéo, ça. Skylander, là, surtout le petit Crash Bandicoot et tout, ça, j'adore. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous voulez voir des petites vidéos et tout sur le jeu. Si vous voulez voir tout ça en action. En tout cas, ça risque d'être fort sympathique. Merde, attends, je vais éviter d'abîmer la boîte. Hop, parce que, ouais, j'aime bien garder les boîtes. Pourquoi? J'en sais rien, mais j'ai toute une collection de boîtes sur mon armoire, c'est un truc de fou. Un jour, va falloir que je m'en sépare. C'est comme ça, c'est une manie. Je sais pas si vous c'est pareil. On va sortir une autre boîte. Alors, qu'est-ce que c'est que celle-là? Master Mystica. Master Mystica, voilà, c'est lui. Et ben, franchement, il est carrément joli. Il est super bien fait. On va le sortir de sa boîte. Ah ouais, c'est carrément genre un centaure et tout. C'est un machin à quatre pattes et tout comme ça. Avec son trident dans la main et tout. Enfin, c'est même pas un trident, c'est plus une fourche et tout. Il déchire. On va le mettre là comme ça. Bon, et bien écoutez, il n'y a plus rien dans le carton. Je les ai tout ouverts, mais franchement, il y a carrément une sacrée collection. En tout cas, encore une fois, un gros merci à Activision parce que ça fait super plaisir. Un gros merci également à vous d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, merci à tous. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour un petit gameplay sur les nouveaux Skylanders et tout. Moi, je connais pas du tout les nouveaux Skylanders, mais j'ai bien envie de découvrir et pourquoi pas les découvrir ensemble. Ça pourrait être sympa. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis, ciao tout le monde, bye !